Bon, en tout cas, on va regarder la petite TWAB. Je vais mettre traduction en français. La TWAB du 12 novembre. Alors, cette semaine chez Bungie, nous avons lancé Beyond Light. Vous voyez, c'est la semaine du DLC. Plus besoin d'attendre, Beyond Light est arrivé donc au-delà de la lumière. Il y a eu quelques turbulences au début. Problème de serveur, on connaît tous. Mais notre équipe d'experts a résolu le problème et est restée vigilante pour s'assurer que les gardiens étaient introduits dans la file d'attente et pouvaient atterrir en toute sécurité sur Europe. Je crois qu'il y en a, ils ont même attendu jusqu'à 22-23 heures, hein, il me semble, pour se connecter. Enfin, bref, c'était... Bon, après, c'est les problèmes serveurs, comme à chaque lancement, on connaît. Des millions de gardiens ont répondu à l'appel de détresse de Varix. Une mauvaise traduction, c'est Varix. Ils ont commencé à explorer la lune glacée. Des secrets ont été découverts, des ennemis ont été vaincus. Votre quête de butin exotique a commencé. Que vous ayez déjà terminé la campagne ou que vous attendiez toujours avec impatience votre chance de participer pour la première fois ce week-end, il y a encore beaucoup de contenu de grande qualité devant vous. En parlant de nouveaux contenus, nous venons de dévoiler une bande-annonce sur la saison de la traque sur... Ok, ah, il y a la page de saison. Attendez. Page de saison. Saison de la traque. La... Alors la bande-annonce, si vous voulez la voir, elle est sur la chaîne. J'ai posté tout à l'heure. Et du coup... La saison de déesse de la ruche. Oh, putain, ça a l'air d'être stylé. Regardez-moi ça. Donc ça, on y avait vu dans le trailer. Oh, ah, moi j'aime bien les trucs comme ça. Tu vois, ça fait des gros boss bien, bien badass à dégommer. Alors on a quoi? Histoire. Je pense qu'on a activité. La traque commence. On pourra chasser des mobs. Les lieutenants de Xivuarat. Une fois construit, améliorer votre appât, piéger vos proies et provoquer la déesse de la ruche. Ok. Donc, montrer les crocs, on a le rapace noir. Laissez les pêcheurs faire autour et de retour de votre. Et votre quête commence. Ok, on va pouvoir choper le rapace noir. Donc, c'est un revolver qui était déjà dans Destiny 1. On a l'artefact croc de Xivuarat qui est disponible. Enfin, il est déjà disponible, il n'y a pas besoin d'attendre mardi. Parce que la saison de la traque commence mardi. Là, on est le 12, mardi prochain. Je sais pas combien on sera. Dualité, fusil à pompe exotique, donc ça c'est le fusil exotique qu'il y a dans le pass actuellement. Ça c'est les armures. Pour une fois, comme j'avais déjà dit, je trouve que, en tout cas sur ce screen et puis ce qu'on a vu, l'arca est plus jolie. Et vraiment l'armure, elle est putain de badass. Vraiment, c'est un truc de ouf. Pass saisonnier... Donc là, c'est tout le contenu du pass, donc je vous laisserai regarder de votre côté. Saison de la traque, aussi, je vous laisserai regarder. Mettez pause, si vous voulez, si vous êtes sur YouTube, vous mettrez pause, vous regarderez. Ou alors, de toute façon, je mettrai le lien du site. Récompense Bungie. Oh, on a la réplique. Est-ce que je vais acheter la réplique? Elle m'a coûté 130 balles, mais enfin je pense. Ah non, quoi que les revolvers, je crois que c'était... Non, c'était la poupée vaudou, elle coûtait 130 euros. J'ai pas prise. Enfin, j'ai pris aucune réplique pour le moment. Sauf de Spectre, mais je crois que les revolvers, c'était 90 euros la réplique, à peu près. Peut-être que j'apprendrai pour une fois. Acheter de l'eau de l'argentum. Ok, vous pouvez acheter de l'argentum, de l'argent réel. Là, c'est le calendrier qu'on a déjà vu. Ok, ça, il était déjà disponible. Actualité, multimédia. Vous avez des fonds d'écran, si vous voulez, en 4K, 2K. Non, 4K, c'est les mêmes. Ouais, non, c'est d'autres. Oh là là, regardez-moi ça. Ça a l'air d'être putain de badass. Hein. Là, regardez qui c'est. Titu de reine. Bon après 4K, est-ce que vraiment 4K pour ça, je sais pas. En 2K ça aurait suffi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup ça c'était la saison de la traque. La saison de la traque est en direct maintenant, mais elle démarre vraiment la semaine prochaine. Ouais c'est ça. C'est que là en fait on a déjà la saison qui a commencé, mais les activités liées à la saison commencent mardi. Alors la glace cosmique. Nous avons de nombreux gardiens de la nature qui ont revendiqué la stase comme leur propre...
doctrine, je pense, adopter un chemin vers de nombreuses capacités, certaines considérées comme non naturelles. Il reste encore de nombreux aspects de fragments à découvrir qui vous permettront de personnaliser davantage vos nouveaux pouvoirs. Donc il faut savoir que la stase, vous avez des pouvoirs qu'on peut... Enfin, on peut améliorer les capacités de notre stase. Stase lente. Contre les combattants. La lenteur désactivera les capacités de mouvement des combattants et ralentira leur mouvement. Contre les joueurs. C'est la stase quoi, ça stun. Toutes les cibles, ouais, le jet, blablabla. Donc ça, je vous laisserai regarder, c'est juste, ça explique les capacités de la stase. En fait, c'est du GL qui stun les ennemis et qui les ralentit. Donc là, vous avez aussi des fonds d'écran. Ah, ceux-là, ils sont badass, fonds d'écran. Là, en 4K. Ah bah voilà, 4K, tu peux télécharger. Tu vois, ça, je dis oui. Ça en 4K, ok. Pourquoi pas, c'est plutôt stylé. Temps. Arca. Tichasu. Et ça, en fait, c'est des fonds d'écran. C'est pas dans le jeu directement parce que... c'est... Je pense que là, c'est vraiment des captures travaillées. Genre, c'est pas des screenshots. Et là, on a les résolutions de problèmes serveurs. Donc, il nous parle un petit peu des soucis qu'il y a eu. Xbox... Ça aussi, je vous laisserai regarder, comme d'hab, tout ce qui est problème, machin. Si vous en avez, regardez. Si vous en avez pas, bah tant mieux. Tant mieux pour vous. Problème connu. Ah, regardez. Regardez. Regardez bien. C'est le moment. Alors. Movie of the week. Donc, vidéo de la semaine. Attends, oh non, ça, je spoil. Qui veut voir des films, c'est votre temps de briller. Chaque semaine, nous jetons un coup d'œil sur Internet pour trouver quelques-unes de nos vidéos préférées par la communauté et les partageons ici pour que tous les voient. Putain, la traduction. Voici nos choix de cette semaine. Attention. Quel choix ils ont fait? Ah! Mais ça serait pas ma vidéo? Ce serait pas la petite lueur? Attendez, on va la mater. Monsieur, fierté, regardez ce sourire, heureux. Ah, mais je suis heureux, mec. Tu sais pas ce que c'est de... Genre, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de taf. Genre, même, bah, tu sais, c'est des années de pratique pour arriver à ça, tu vois, parce que je suis sorti d'école, quoi, il y a un peu plus d'un an. Là, j'ai fait des productions de jeux vidéo et tout. Et là, toi, c'est un petit projet qui m'a quand même donné... Enfin, j'ai dû faire ça en pas mal d'heures, dans un temps restreint, parce que je me suis lancé là-dessus il n'y a pas longtemps. Et tu sais, j'ai tout fait tout seul, alors tu sais, c'est des années d'entraînement, et je suis content là, tu vois, là, c'est dans la petite toab. Ah, je suis refait, je suis vraiment refait. On va larguer, ça dure 2 minutes. Aïe, 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 aïe. Ça fait plaisir d'avoir ma petite vidéo là-bas dedans. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis tellement content. Maintenant, Bungie, j'attends mon emblème. Bungie, si vous m'entendez, je vais dire à Epion, je veux mon emblème. Vous pouvez clipper là sur Twitch. Epion, mon emblème. Je le veux. Maintenant. Putain, la chèvre. Attends, on regarde en entier celle-là, si elle dure pas longtemps, je sais pas combien de temps. Ah, 1 minute 56, allez on va regarder. On a regardé la mienne, on va regarder la sienne. Ouais, c'est pas mal. Vraiment, le montage est bien foutu. Comme toujours, nos gagnants recevront un emblème spécial pour commémorer leur victoire à partir de cette semaine. Nous avons tous un nouvel emblème à distribuer appelé... Oh, il y a des joueurs, cet emblème-là. Cet emblème-là, la première semaine. First. Aïe, 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 aïe. Putain, c'est trop, j'ai reçu l'emblème artiste il y a quoi? Il y a 3 semaines? 2 semaines? Non, 3 semaines? Non, 2 semaines. Non, il y a 2 semaines, j'ai reçu l'emblème des artistes. Et là, je reçois l'emblème... Alors, est-ce que je combine les artistes et le truc vidéo? Ou alors j'ai que celui-là? Je crois que j'ai que celui-là, hein. Après, ce serait logique. Deux d'un coup, serait l'abus. On va demander à Epion. On va lui demander, on va lui faire un petit tweet.
vous inquiétez pas. On va s'arranger, Kepion. Si vous avez gagné, assurez-vous d'inclure des liens vers votre profil Bungie.net afin que nous puissions vous livrer vos nouveaux emblèmes. Au pire, on va demander, Pion. Artiste de la semaine. Ah. Ah non, oui, du coup, là. Oh non, j'y suis pas. Oh non. Oh non. Bon, après, celui-là, je trouvais pas... En fait, je voulais pas trop celui-là d'artiste. Je voulais plutôt celui-là. Et j'ai eu celui-là. Je suis refait. J'ai juste ce que je voulais. Après, cet emblème, il est bien. Mais il est moins joli que celui que j'ai. Je préférais l'emblème des artistes de l'année dernière. Depuis un certain temps déjà, nous mettons en valeur les œuvres d'art étonnantes créées par la communauté à partir de nos canaux sociaux et attribuons les artistes un emblème spécial. Nous ne voulons pas limiter l'audience à Twitter, nous avons donc créé une section amusante pour le Twab afin de présenter des jeux d'illustration. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que les trucs artistiques, ils montraient pas. C'était que des retweets sur Twitter. Et là au moins... Les gens qui font des beaux trucs, parce qu'on a énormément qui font des trucs insane, et là ils sont mis en valeur directement sur la toile. Ça c'est bien. Avec le petit lien et tout. Non, mais ils ont bien fait de faire ça. Du coup, ça, un petit truc de dé. Ok, un autre truc de dé. Du dessin. Ça c'est fait à la table graphique, ça se voit direct. Bah ça aussi, hein. De toute façon c'est tout fait à la table graphique. Hein. Ça normalement aussi, ouais. Moi qui elle est fait, un crayonné, elle est repassée. Non, je pense que c'est tablette. C'est tout de la table graphique ça. Celui-là il est putain de stylé. Hein. Le mec, je pense pas que c'est un petit débutant hein, qui fait ça. Je pense que c'est déjà un mec qui a déjà fait pas mal de dessins dans sa vie. Félicitations à ceux du premier tour et merci à tous les artistes de la communauté de Destiny pour avoir rempli notre calendrier dans notre page de création avec ces magnifiques pièces. Nous vous reverrons la semaine prochaine avec un autre tour. Alors que nous passions la saison d'arrivée à la saison de la track, nous avons organisé un petit événement dans la dernière ville pour que vous puissiez les dernières heures à sauter avec vos amis et regarder le voyageur. Ah oui, du coup ça c'était l'event qui a eu le 10 avant le DLC, avant la maintenance. Du coup, il y a la petite cinématique qu'on peut retrouver ici. Vidéo non disponible! Cette vidéo est privée. Ah! Ok. Bon, je pense qu'ils vont corriger ça dans pas longtemps. C'est un toit plus court cette semaine. Mais nous savons que vous êtes occupés avec de nouvelles choses à faire. Oui, c'est vrai que là, il y a le DLC. Du coup, la toit, je pense qu'il y a moins de monde qui va regarder. Eji adore avoir la chance de révéler un nouveau défi, ok. Ok, du coup maintenant c'est Cosmos, c'est plus Dij. Avant c'était Cosmos et Dij, maintenant Dij il est parti. Voilà, il est parti juste avant le DLC. Il a fini ses années chez Bungie, après 9 ans. Du coup on verra plus Dij à la fin, mais Cosmos, enfin Cosmo peut-être d'autres. D'autres CM, parce que maintenant il y a des CM dans plusieurs pays différents. Il y a l'Allemagne, la France et d'autres pays, l'Italie, je crois, Brésil. Enfin, il y a d'autres pays. Bon, bah écoutez, je suis très content de cette toile. Non, mais je suis trop content, regardez, ma petite vidéo est là. Après, c'est vrai que dans cette toile, ils nous expliquent rien de nouveau. Ils nous ont rien expliqué de nouveau qui va arriver. Enfin, si, juste le trailer de la saison de la track qui arrive mardi. Mais rien du tout à part ça. Bon. Mais écoutez, merci YouTube. Et puis je mettrai les liens de toute façon dans la description. Des bisous.